Donc les amis, aujourd'hui je vais vous montrer par rapport aux ampoules. Là, les ampoules que j'ai, c'est des ampoules en halogène. Donc là, je vais faire des petites modifications. Je les mettrai en LED. Alors, les ampoules que j'ai commandées, c'est celles-là. C'est des ampoules LED. On va les ouvrir et on va les regarder tout de suite comment ça se passe. Voilà les amis, ce que j'ai, les ampoules pour l'espace 4. Dernière fois, j'avais commandé les ampoules. C'était pas du tout le même système. Celui-là, ils sont 150 degrés. Je vous parle par rapport aux deux sortes de tiges là, qui sont les deux côtés. Et moi, je me suis trompé sur le diamètre. Je les ai commandés 180 degrés. Donc 180 degrés, ils ne passent pas sur l'espace 4. Bref. La dernière fois, j'ai changé aussi les ampoules LED par rapport... pas les ampoules, les LED pour les freins. Donc aujourd'hui... je vais le remplacer sur les clignotants. On va regarder ça tout de suite. Donc, comme je vous ai expliqué, faut mettre la main par là. Ici. Et un peu plus bas. Là, à ce niveau-là. C'est ça qu'il faut l'ouvrir. Vous le tournez un petit peu. Et là, j'ai l'ampoule qui sort. Il est là, dans la main. Donc... alors là, comme c'est la journée, on ne voit pas une grande différence. Je vais essayer de faire aussi plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner l'ampoule tout simplement. Là, il est chaud. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vais le tourner. Et je vais mettre l'autre à sa place pour voir la différence. Donc, les amis, là, j'ai mis nouveau ampoule à sa place. Donc, je vais essayer de le rentrer pour le mettre sur l'endroit exact. Alors, comme je vais vous expliquer, avant de le mettre, j'ai déjà testé les ampoules, sauf que j'ai pas montré dans la vidéo. Alors, j'ai un peu du mal à le mettre. Ça va aller. Donc, oh putain, ah, ça brille de malade. Regardez la différence entre celui de la droite et celui de gauche. Alors celui de la droite, il brille de malade, ça pique dans les yeux. Regardez celui de gauche, halogène, c'est quoi la différence? Là c'est la journée, donc je suis en train de vous filmer dans la journée, je vais essayer de vous filmer aussi pendant la, la tombée de soleil. Là on va essayer de regarder l'ampoule de derrière, qu'est-ce que ça donne, et je vais vous faire la différence après pendant la... pendant la tombée de soleil. Donc là il donne comme ça. Plus tard je vais le filmer aussi, je vais vous montrer. Franchement les amis, là ça brille de malade. Là ça brille de malade. LED il est très très fort par rapport les halogènes. Les halogènes ils sont pas très très forts. LED il est très très fort. Alors ça tombe bien parce que la dernière fois j'ai nettoyé les phares, donc là j'ai une bonne visibilité au niveau des phares. Et puis après je suis en train de regarder petit à petit à faire les modifications pour changer le grand phare là, l'ampoule de grand phare, qu'est-ce que ça donne. Bon, ça je verrai plus tard. Là tout de suite on va changer l'ampoule de l'autre côté. Puis j'ai réussi à le mettre celui de gauche aussi. Pour moi c'est le gauche, mais quand on se met sur la place à l'intérieur de voiture, donc là c'est celui de la droite. Donc les amis, les deux ils brillent très très bien. Je vais essayer de vous montrer un petit peu sur le côté, regardez comment ça se passe. Et là je vais essayer d'ouvrir les phares de derrière pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà les amis, ça c'est la finition. Regardez comment ça brille là. Ça c'est l'ampoule de clignotant. J'ai forcé sur la lumière, enfin j'ai forcé sur le cache là, le cache qui s'enlève, et sans faire exprès j'ai caché, enfin j'ai cassé plutôt le comment dirais-je là, la carte mère de LED au niveau de l'effran là. Donc ça il faut que je le répare.
Ça va être vite fait. Je dois faire 2-3 soudures. Et c'est bon, ça tient à sa place. Voilà les amis. Ça c'est la fin de vidéo. C'était juste pour vous montrer les clignotants. Comment on peut les changer. Tout simplement, il suffit de les tourner. Comme ça. Alors, j'avais les anciens à sa place. J'avais ces clignotants là. Mais je les ai retirés. Vous voyez. Les clignotants, ils sont à 150 degrés. Et voilà. Voilà, voilà les amis, regardez qu'est-ce que ça donne le clignotant et le LED qui se trouve tout en haut. Le frein, quand on appuie le frein où on allume, comment dirais-je, le feu de position, donc ça s'allume le LED. Là, j'ai réussi à réparer les deux là. Donc. Bon, les amis, regardez. Regardez quel look qu'il donne derrière. Ici on essaye de voir l'autre côté. Putain c'est fort hein. Surtout à cette heure là. C'est très très fort là.